Tout le monde veut la tête de Mika. Moi, je veux que t'éteignes tout le monde. Viens, on va voir Mikalo, on le soulève. Ouais, Mikalo, exactement. Let it snow, let it snow, let it snow. Et bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue. Un gros gros moment avec plein de copains bien évidemment qui vont tester un petit peu pour nous la technologie de l'EVA. Au niveau des équipes, quand je vous dis que c'est du très très lourd, je vous mens pas. Donc je vous rappelle, Brooks, Shaw, Soul King et Prime. Du côté de l'équipe B, Mikalo, Akicho qui eux aussi avaient eu la chance de participer au Streamer Battle, donc ont quelques facilités. Ils seront entourés de Yas et de Jilsi. Pyro, déjà salut. Est-ce que tu peux rapidement revenir sur le concept? Bien sûr. Parce que c'est toutes les salles de France qui étaient concernées. Exactement, on a 8 salles en France qui ont participé à cette grande compétition. Chaque salle a eu son tournoi et son tournoi qualificatif pour cette journée des playoffs. Ouais. Donc on a eu 52 équipes au total dans toute la France qui ont joué le jeu. Et chaque salle, du coup, en France, on en a 8, a un représentant aujourd'hui pour ces playoffs. Il y a 17 000 euros de cash prize. Donc c'est la première édition de l'EVA League. C'est un vrai test pour EVA d'avoir organisé tout ça. Et honnêtement, on est plutôt content du résultat. Et c'est des joueurs qui ne sont pas spécialement habitués des grands rendez-vous comme ça et qui vont être sous les feux des projecteurs et dans des vraies situations e-sport et de compétition. Les équipes Brooks, Shaw, Soul King, Prime du côté gauche et du côté droit, Mikalo, Akicho, Yas et Jilsi. Ouais. Vous les avez tous sous les yeux et donc on a le terrain. J'ai l'impression qu'on est parti. On y est, mesdames et messieurs. Team Alliance contre Team Rebelle. La Team Alliance, c'est la team de Brooks avec Soul King, Prime. Et de l'autre côté, on a Akicho, Yas, Jilsi et Mikalo. Alors on va voir si Brooks va essayer de confirmer sur ce qu'il a proposé au Streamer Battle, mais pour l'instant c'est Mikalo effectivement qui est en train de montrer de belles choses hein. Alors attention, on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que quand tu prends les dégâts, il suffit que tu sortes de la zone de combat et ça revient en termes de points de vie. Bien wesh, bien wesh. Attends, il m'a tué, il m'a tué les gars, à gauche. C'est nous. Merde. Eh, ils nous ont niqué les gars. Voilà. On est enfermé au spawn. Putain, là, ça tombe. Ouais. Oh. Putain, les gars. Sale chien, Mika. Les pompes, c'est beaucoup trop fort. C'est juste ça. J'ai pas de pouvoir magique, juste j'ai mis des coups de pompe tout le long. Est-ce que ton but est de d'éteindre l'adversaire complètement, de priver de plaisir, ou tu vas les laisser quand même kiffer un petit peu là dans la soirée? Ah, vous me dites si vous voulez que ça dure, quoi. Moi, je veux que t'éteignes tout le monde. Non, mais en vrai, c'est dès qu'ils vont savoir que le pompe est trop fort, ça va jouer. Je suis assez d'accord. Tu penses qu'ils vont douter? Vas-y, bah je te laisse retrouver tes mates avant de y aller, puis nous on va y aller pour la deuxième game. Merci les gars. Parce qu'en vrai, merci James. Et ben, on va voir. Du coup, il arrive sur une nouvelle map. Ouais, nouvelle map justement. On l'a dit, on est on est dans le thème, hein, c'est l'hiver. Objective A. Sur le point, il y a Jesse. Eh, ils ont pris la zone. Vas-y, je suis derrière toi, ma gueule. Les gars, campo, hein. Vas-y. Les gars, campo. Eh, je récupère la zone, couvrez-moi. Je suis dans la zone, les gars. Oh, il est en haut. Putain, je me suis fait tuer. Les gars, ils ont repris la zone là. Les gars, ils m'ont niqué, ils ont repris la zone. Ah, y'a un Kemi, il campe derrière notre base. Non. Je passe à côté de toi, Sol, t'inquiète. J'ai pris ta balle, Sol. Putain. Non. Et comment on fait pour aller derrière? Derrière. Tout en haut dans la montagne. Ouais, ce B, il est caché où lui, cousin? Le coran, ouais. De ouf, ouais. Ça y est, la partie elle est finie, ils ont gagné. Ah, j'ai le seum, voilà. Arrêtez de camper, wesh. Il est tout, Mike Lowe, là. Il est tout. C'est quoi le délire, là, cousin? J'ai mon arme, j'ai tous les camps. C'est plus du camping, là. C'est... Ah ouais, mon équipe, elle est chiant, mais franchement, elle est carrée de ouf. Maintenant, dans l'équipe adverse, j'ai pas envie de dire ça campe de ouf, mais ça campe de ouf. Aïe. En train de dire que ça a sorti des méga tentes sur le bord de la map et que clairement ça respecte pas le jeu là. Eh, on savait même pas ils étaient où, ils étaient même pas dans il la zone. Eh oui, que ils nous tuaient, frère. Ça veut dire qu'ils attendaient qu'on rentre dans la zone, ils campent, ils nous attendent et ils nous tuent. C'est des campeurs, c'est des gros campeurs. Ils ont de la patience, on va dire, ils ont de la patience. Moi pour moi, mon équipe, ils sont chambés, ils campent pas, ils vont au front. Maintenant c'est les gens, ils campent, t'as capté, c'est ça? Ouais, Mikalo, exactement. Voilà, on dit les blazes. On dit les blazes, donc. Mikalo, très clairement, une tête sur sa cible aujourd'hui. Ouais, gros campeur. Écoute, on espère que ça va mieux se passer pour vous, les gars. Bon courage pour les prochaines games. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le vocal? What's going on? C'est la question que je viens de te poser. C'est la crise dans le vocal. Ok. Tout le monde veut la tête de Mika. On est sorti du contexte du jeu. Mika, il y a une bande là qui devient dans l'extérieur. Malheureusement, j'ai un t-shirt man, mais je vais devoir faire partir cette bande. Ok. Non, en vrai de vrai, Mika, il est très chaud. Putain, je sais, personne n'est pas choqué. Le problème, c'est qu'il va très vite dans les God Spots.
Ce qu'on appelle les ghost posts, c'est les positions clés qui vont faire de toi une menace présente. 4 personnes, quoi. Alors déjà, le problème, c'est qu'il a un énorme shoot. Dans le vocal, il n'y a que du Mikael Obi. Sérieux ? Genre, bah, les gars, on est qui ? Ils sont 4. J'ai dit, les gars, Mikael est là-bas, mais non, calcule pas, on fonce dans le pont, on les détruit. Ils veulent tous sa peau. Il n'y a rien à faire. Ils sont dans un match, ils sont dans un ego. C'est que les... Soul King et Prime, ils sont dans l'ego tchal. Okay. Ils sont en mode, hey, Soul King, hey, Prime, Soul King, viens voir Mikael, on le soulève. Arrête, j'entends quoi, deux secondes, arrête. Mikael ! T'as l'équipe du fun. Bah, en même temps, il y a aussi une équipe du fun en face, hein, parce qu'il y a ces GT. C'est super fun, franchement, je m'éclate. Juste, Mika, il est très fort. Tout le monde, oulala, qu'est-ce qui se passe ? Oula ! Oulala, ça se place même derrière nous. Oula ! Nous aussi, ah oui. Je vous le dis. Ok, ok, on les gars. On ne contrôle plus rien. Je rappelle qu'ils sont 8 au départ, qu'il n'en restera qu'un. Il va falloir individuellement choisir son camp. Est-ce que vous allez soutenir Brooks, Shuachin, Soul King, Prime ? Est-ce que vous allez soutenir Mikalo, Akitio, Yas ou Jilsi ? Faites votre choix. Et vous allez comprendre tout de suite à quoi on va jouer, les amis. Vous allez comprendre tout de suite parce que je suis chaud là. En tout cas, cette série, si vous l'avez vue, eh bien, ce sera l'épreuve du 1, 2, 3 soleil. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Le 1, 2, 3 soleil. 1 minute 20 pour aller à l'opposé. Mika est mort déjà là. Mika, ça dégage. Mika, ça dégage. Ouais, Mika, mais Shuachin aussi. Ils se font détruire. Ah merde! Ah merde! Mais bah attends, mince! Hey, non mais attends, ça n'a pas commencé là! Faut jouer au son! Ça n'a pas commencé, il n'y a pas de son, let's go, ah let's merde. Go, c'est parti! Green light! Red light! Ah non! Quoi? Non! Mais j'ai pas bougé! Mais j'ai pas bougé! Mais ouais, c'est quoi ça? Oh, c'est honteux, frère! Oh, oh le jeu là! Ah, on est deux. Ah, elle est trop nulle, voilà. Donc voilà, quand ils sont tous dans la ligne, ils réapparaissent, on le voit de toute façon physiquement. Là, malheureusement, Mikalo est broke. Ah, je sais pas, effectivement, Mika qui a été vu comme mort, Shaw, Prime. Akili. Ah oui, c'est très très dur. Ah non, c'est très dur. Le moindre mouvement, faut vraiment être immobile. J'ai gagné! Faut alors, bien essayer de... Ça a l'air dur, mais c'est le but. Ok, c'est en but. Fait, quand tu passes derrière la ligne, ça te fait respawn. Ah, mais là, pourquoi ça a tué Brooks ? Parce qu'il a triché, il a avancé trop tôt ? Ouais, il a avancé. Mais Yas, il a... Yas, le tricheur ! Mais Yas, il est trop... Oh non, il est mort. Ah, mais il est trop malin, il s'est dit le temps qu'elle bute les autres. Oh, il nous reste des survivants ? Mika ? Ah non, il est mort. Il s'est dit, mais le temps qu'elle bute les autres, moi j'y vais. Très très dur. Non, en vrai, c'est pas bête. Mais il s'est fait tuer par les deux gardes qui eux aussi sont là pour équilibrer les choses. Les amis, ils sont armés, hein, comme vous pouvez le voir. Alors là, pourquoi elle a tué Mikalo et parce qu'en fait, ils sont sur la ligne. Elle est en mode, vous n'avez pas le droit d'être sur la ligne, soyez derrière. Ah, tu oui, vois. Donc ça se joue au détail près. J'aimerais bien voir quelqu'un survivre là. J'ai l'impression. Ça survit. Il y en a 4 qui ont survécu. Attention. Chaud, chaud, est-ce qu'il allez, chaud. Chaud et Soul King, chaud et Soul King, chaud et Soul King, chaud et Soul King. Non, en fait, Yas et Mika, n'est pas dans le même sens. Il reste que chaud et Soul King. Allez, c'est gagné pour Shuachin. Shuachin l'a fait. Shuachin l'a fait. Incroyable. On peut tous applaudir Shuachin. Mika et Yas qui croient avoir gagné. Ouais, non, mais... c'est chaud. Il n'y a qu'un seul gagnant ici. Allez, retournez vous placer. J'ai l'impression qu'ils prennent du plaisir en vrai. Et ouais. Ils repassent derrière la ligne. En gros, quand vous les voyez en gosse, c'est que malheureusement, ils n'ont pas été assez bien placés pour respawn. Et en fait, du coup, là. Et là, regardez Shaw qui a dépassé la ligne. Mika aussi, on se fait punir. Tout le monde s'est fait punir directement. On les a bien vus là pour le coup dépasser la ligne. Soul King ou Akitio. Soul King de mieux en mieux. Oh, Soul King c'est bien fait. Oh, personne n'est mort sur là. Soul King incroyable. Soul King est le deuxième gagnant. Regardez Aki immobile. Et ça y est, ça passe. C'est bon pour Aki. Incroyable. Mais je crois, mais waouh. En vrai, je suis avec Shuachin, grand gagnant de cette épreuve Squid Game. Je sais pas si tu l'as senti, mais. Ravi, mec. J'avais regardé Squid Game à l'époque. J'ai adoré, et là, de pouvoir faire l'épreuve et de la gagner. On vous a vu à fond, t'as gagné 2 manches, hein, ouais, l'un des seuls à avoir remporté 2 manches. Portage de couilles, j'ai sprinté, gros. Comment t'as kiffé ou quoi ? Bien sûr. C'est trop bien de le voir. C'est... Mais ça avait l'air sympa. Mais ceux qui ont mis la douille du siècle, c'est lui. Et chaud. Il est chaud. Ils ont tapé un sprint, là-bas, mais c'est pas contre la du one tout. Shot, Vas-y. Non, Brooks, bien vu aussi. Tu t'attendais pas, toi, ça, François Soleil. Franchement, je m'attendais vraiment pas. C'est ça que je me dis que toutes les épreuves peuvent être représentées. Tu sais, le truc des jumps entre les cases, là. Il y a une infinité. Il y a un fini sur ta
Ça y est, en fait, c'est mort. On aurait, ouais, on aurait pu même faire les trucs du biscuit avec le laser. Ouais, moi, je pensais que c'était ça. Hey, Alice, dès que j'ai pris ce talent, ça lâche. Bon, ça y est, ils sont en train de triper, honnêtement. Je vais les laisser profiter, je vais les laisser kiffer.